Quand t'étais gosse, tu t'es jamais posé de questions qui te paraissaient existentielles du genre pourquoi passent les saisons. Je m'en suis beaucoup posé étant gamin. Je me demandais pourquoi est-ce que je dois obligatoirement affronter demain. Pourquoi les oiseaux volent, pourquoi les poissons nagent, pourquoi on marche, pourquoi les mouches font chier en été, pourquoi les parents se fâchent. Les profs ont essayé de répondre à toutes mes questions. Le cycle de l'eau et pourquoi est-ce que les volcans entrent en éruption. C'est marrant, le temps a passé et pourtant je me pose toujours autant de questions qu'étant enfant. On a vu la lune, on y a été. On est allé au-dessus des nuages, pourtant je rêve de voyages, de nouveaux partages. Être avec des amis, rire, danser, chanter, crier à m'en casser la voix. Bref, j'aimerais profiter, mais je ne cesse de me poser la même question de merde. Pourquoi est-ce qu'on nous donne la vie si c'est pour qu'ensuite on la perde? Pourquoi est-ce qu'on aime, pourquoi est-ce qu'on déteste, pourquoi est-ce qu'on travaille jusqu'à en perdre la tête. Tellement de choses qui me semblent vidées de sens, sans doute est-ce fait pour mieux ponctuer notre existence. Pourquoi on s'attache autant aux choses matérielles, y'en a qui limite préfèrent faire de l'argent quitte à tout perdre. Perdre ses amis, oublier sa famille, après peut-être que c'est une nouvelle façon de vivre hyper contemporaine, inspirée de la pire des merdes. Pourquoi quand t'es gentil t'es pris pour un hypocrite, pourquoi quand t'es attentionné envers elle les filles t'évitent. Certes les questions que je me pose ont quelque peu changé, mais tellement de choses en ce monde me restent hors de portée. Aujourd'hui j'ai encore pris une ride, pourquoi est-ce qu'on vieillit? On s'arrache les cheveux comme c'était pour mieux se conditionner à l'étape finale de ce grand test qu'est la vie. Je repose ma plume, je crois que j'ai assez saigné mon encrier.